Faire pas par ici, par hasard. La seule solution, c'est à la main. Ouais, des fois, autrement, si elle est commune, t'as un petit peu à des machines. Hein. Ouais, c'est vrai que tu vas avoir les coups de bois. Mais... Si, sur Progibus. Ah, oui, Progibus, ouais, j'ai marqué, oui, on m'a dit. Ouais. C'était une zone qu'on avait identifiée où c'était un peu comme une bordure qui était très haute et qui pouvait être dangereuse pour les coureurs, parce que là les coureurs n'auraient pas pu rouler dessus. Donc en fait il aurait fallu rouler soit à gauche ou à droite. Donc ce qu'on a fait, on a pris la décision là avec le lycée horticole de Rennes de supprimer cette bordure végétale qui aurait pu être très problématique pour les coureurs. Voilà, donc en plus le temps est beau. Il y a 500 mètres à faire. Oui. Vous allez voir un peu sur le haut là-bas. Oui, on verra comme ça, avant et après. Sur le haut, il y a vraiment une petite bosse. Voilà. Donc c'est un peu une opération exceptionnelle qu'on fait à la dernière minute, mais pour la sécurité des coureurs. Voilà, tout simplement. Et puis ça entretient le patrimoine aussi. C'est vraiment parce qu'ils veulent s'initier aux techniques de pavage. Et là, bon, c'est un peu exceptionnel, mais ça fait aussi partie de leur métier dans les travaux d'aménagement paysager. Il y a aussi à préparer, comme on dit, le terrain. Il y a des broussailles. On a travaillé pendant 15 jours sur Progibus au mois de mars. Voilà. Hein. Ah ben oui, on ne rentrera pas. Au début, rappelle-toi, c'est un mois peut-être de travail. Hein. Mais l'objectif principal avec les lycéens, c'est de les initier aux techniques de pavage. Hein. Parce que ça, ce travail-là, ils le font aussi ailleurs. Hein. Il n'y a pas de spécificité proprement dit sur Paris-Roubaix. Nous, on a le Covid nous a un peu perturbé, mais finalement on a eu quasiment notre plan de travail habituel. Il y a des travaux qu'on a dû stopper et reprendre par la suite, mais il n'y a que la saison 2020 qu'on a annulée avec le lycée de Rennes, mais avec le lycée de l'Homme dans l'agglomération lilloise. Et d'ailleurs, on a pu voir sur le parcours qu'il y a eu des arbustes de taillés, qu'il y a un peu du nettoyage qui est fait. Secteurs qui sont vraiment difficiles et en faux plat et voire même en côte, c'est le secteur de Vertin et ici le secteur du hameau du Bleu, et c'est pour
changer un petit peu et puis marquer l'édition. Là, il y a du travail sur le hameau du Buat. Oui, alors c'est vrai que là, on se rend compte qu'en organisant au mois d'octobre, c'est un petit peu différent qu'au mois d'avril. La végétation a travaillé pendant tout l'été et on a quand même plus de plaques d'herbe. Et voilà, ici, on n'était pas passé depuis 2016 et il y avait besoin de refaire un gros nettoyage au centre du pavé, et c'est ce qui se fait actuellement avec le lycée horticole. D'où l'importance de la reconnaissance. Oui, alors ça a été un petit peu anticipé avant, sinon le lycée ne serait pas déjà arrivé. Mais la reconnaissance permet aussi d'alerter à quelques jours de la course. Et si on voit des choses qui ne sont vraiment pas bonnes, on a encore le temps d'agir d'ici samedi et dimanche. Ils vous ont paru très longs ces 900 jours? Oui, un vrai déchirement. Et puis aussi un petit sentiment d'injustice, quoi. Lorsqu'on a vu toutes les autres courses se dérouler, que Paris-Roubaix ne pouvait pas se dérouler, quelque part, ça faisait un pincement au cœur. Est-ce que ça sera vraiment à Paris-Roubaix, à part qu'on ne pourra jamais comparer, de par la date déjà? Oui, c'est clair qu'avec une date au mois d'octobre, ça change beaucoup de choses. Les coureurs vont être en fin de saison, plus fatigués. Et je pense qu'on s'attend à une course bien différente, avec beaucoup de coureurs usés. Et il risque d'y avoir des gros écarts dimanche. Et une météo qui ne va pas forcément être très clémente. Alors la météo, je vais attendre le dernier moment avant de vraiment savoir ce que ça va donner. Hein. On a tous vécu un été pourri, mais la météo ne l'a pas toujours annoncé aussi pourri. Donc on va encore attendre, ça peut encore changer d'ici dimanche. Pourquoi risque de souffler quand même? Oh bah, un Paris-Roubaix sans souffrance, ça n'existe pas. Comment vous avez vécu ces deux ans et demi sans cette course, quoi, quand même? Ouais, bah quelque part, la première annulation, on était confinés, ça c'est très bien compris. Ensuite, ça a été plus compliqué à accepter. Je pense qu'on peut parler de déchirement, quoi. Bah, quelque part, ça nous tient à cœur, cette course nous tient à cœur. On aime tous les ans avoir ce spectacle, cette intensité, cette course hors norme. Et le fait de ne pas pouvoir l'avoir se dérouler, ça a été quand même quelque chose qui était dur à accepter. C'était plus dur, c'est la dernière annulation, enfin le dernier report en avril dernier. Oui, franchement, on avait quand même ce sentiment d'injustice. Quoi. Là, on est sur un truc. Voilà, c'est réservé à Public Cast. Oui, mais il y avait des clés. Est-ce que le fait que ça soit. Il faut demander bien des clés. Vous en mettez juste sur le. Moi qui est derrière ton poteau. Alors moi, je disais tout le temps. On s'en peut. Je suis le kiné à Gala, je vois Omer en charge des sports et des associatifs. Nous, bien sûr, on remercie la ville de Denain d'avoir accepté de donner le départ de cette première édition du Tour Femmes. Ouais, c'est vrai qu'on a, dans le monde du cyclisme, des relations particulières avec Denain. Déjà, il y a le Grand Prix depuis des années, Coupe de France. Et puis, ce Grand Prix a évolué ces derniers temps en mettant des pavés sur son parcours. Et le lien était tout trouvé entre Denain, le Grand Prix, les pavés et un lieu de départ pour la course femme. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie aussi Dominique Serrano d'avoir fait le lien, le président du Grand Prix de Denain, d'avoir fait le lien entre ASO et la ville de Denain. Et je pense qu'on va partir pour une belle aventure. Donc la première édition, c'est quand même quelque chose tout à fait novateur. On ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas comment ça va être perçu par le peloton féminin, mais on y croit et on pense qu'on est là pour de nombreuses années et on espère que ça va bien se dérouler. Alors Franck va vous présenter le parcours et les engagés, et si après vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors merci Thierry, merci Hakim, merci pour votre accueil à Denain. Et donc oui, on va partir de Denain, la ligne de départ sera juste derrière vous en face de la mairie. Il y aura les installations et puis le départ qui s'y situeront là. Et on va partir pour une boucle de 8 km en direction d'Aveluy et puis retour sur Denain. Cette boucle fera 8 km et on la parcourra 3 fois. Et ensuite, on se dirigera vers Écodin et ensuite vers Ornain. Et à partir d'Ornain, on réintégrera, on va dire, le parcours commun avec les hommes pour avoir les 85 derniers kilomètres identiques aux hommes. Il y aura 17 secteurs pavés, 29 200 km de pavés. Et la course au total fait 116,4 km. Voilà, et puis concernant, on aura, comme vous l'avez dit, Hakim, on aura le gratin mondial. On aura Elsa Balsamo, qui est récente championne du monde ce week-end en Belgique. Hélène Van Dijk est dans l'équipe Trek Segafredo avec la Française Audrey Cordon-Rago. Elisabeth Dénion, Longo Borghini également, qui complète cette formation très, très, on va dire avec une bonne équipe pour cette course.
Marianne Boss, spécialiste du cyclocross, également spécialiste sur route, nombreuses victoires, sera présente avec Jumbo Visma. Lisa Brennauer dans l'équipe Ceratizit, une des prétendantes également, dans l'équipe Team SD Works, qui est aussi une grosse formation. Chantal Black et Julian Dor. Et puis on a Annemiek van Vleuten, qui sera là aussi, qui est plus un profil, on va dire, grimpeuse et course à étapes, mais qui sera aussi également au départ de Paris-Roubaix Femmes. Et Katarina Nievadova, qui est récente sur le podium des championnats du monde samedi dernier. Cécilie Ludwig dans la formation française FDJ Nouvelle-Aquitaine. Et puis Amanda Spratt pour Team Bike Exchange. Donc vraiment les meilleurs du cyclisme mondial. C'est clair que là, on va un peu dans l'inconnu, mais je pense qu'il y a des grandes championnes qui vont découvrir des talents sur ce genre de parcours. Ça va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. La rondeur après deux ans de non-utilisation avec beaucoup plus d'herbe que de cheveux sur la tête de mes collègues.
D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vous invite à oublier le site mignon. Le dernier moment clé de la course, hein, on a une succession de pavés difficiles. Et puis ce carrefour de l'Arbre est quand même assez long, 2100 mètres en faux plat montant, avec des pavés très difficiles. Lorsqu'on passe au niveau du centre d'entraînement du Losc, on voit que c'est complètement défoncé. Et c'est le moment le plus intense de la course parce que tout peut jouer là. Et ceux qui ont encore un peu de force en profitent pour essayer de lâcher leurs compagnons de groupe. Et c'est vrai que c'est un moment clé de la course. C'est là que tout va jouer dimanche. Alors dimanche, ça dépendra bien sûr des conditions météo. Si c'est sec, oui, en général, ça se joue assez tard. Si c'est humide, ça se sera peut-être déjà joué. Mais n'empêche que sur ce dernier secteur, on peut avoir des belles défaillances et même des ennuis mécaniques. Parfait. Le bilan des pavés, quand même, à la fin, finalement, en octobre, c'est pas si mal. C'est complètement différent, hein, on s'en est bien rendu compte. Le paysage aux alentours est complètement différent. Il y a beaucoup de végétation. Il y a même encore un peu d'herbe sur les pavés. Mais je pense qu'avec un bon nettoyage et le passage des véhicules toute la semaine, on devrait avoir quelque chose de correct dimanche. Ils vont pas reconnaître les tours avec les champs de maïs. Oui, alors c'est clair que ça change beaucoup de repères. Mais voilà, ils vont savoir s'adapter à ça. Hein. Il n'y a pas de problème.